Oui, monsieur. Pour Frère dit, une onction frappe l'église. Une onction frappe l'église. Il dit, j'attends à ce que cette onction frappe l'église. Branham dit, elle y rentre maintenant. Cette onction-là frappera l'église entière de Dieu vivant. Et Branham dit, les malades seront guéris par un mort. En vertu de cette déclaration, prophétique de Malachie 4, je me prépare à prononcer aussi un mort. Parce qu'il est le même Dieu. Il n'a pas changé. Il ne changera jamais. L'onction du Seigneur l'Éternel est ici. Quand Dieu m'a ouvert pour votre délivrance, pour votre guérison, pour votre restitution, est-ce que, oh là là, alléluia, à qui enseignerai-je la sagesse? Oh, c'est la puissance qui descend là. Où sont les vases à déposer ça? Dieu a besoin de vases purifiés. Dieu a besoin de vases lavés. Si l'incrédulité dans l'église peut quitter dans quelques minutes qui arrivent, vous verrez les spectacles lumière. Les aveugles verront, les sourds entendent, les boiteux marchent et les muets parlent. Et dans les quelques secondes qui vont arriver, personne parmi nous ne sera faible. Vos maladies de bas ventre vous quittent. Peu importe votre maladie, en vertu de la parole prophétique, je mets l'église sous mon contrôle. En tant que votre pasteur, je donne à ces esprits impurs qui ont longtemps duré dans votre chair de vous quitter en nom de Jésus, de vous libérer au nom de Jésus-Christ. Je veux que vous sortiez ici guéri. Je veux que vous sortiez ici délivré. Je veux que vous sortiez ici sans problème. Et là où vous êtes là, touchez là où vous êtes malade. Le Saint-Esprit est ici. Touchez là où tu es malade. Le Saint-Esprit est ici. Touchez là où tu es malade. Le Saint-Esprit est ici. Touchez là où tu es malade. Le Saint-Esprit est ici. Le Saint-Esprit est ici. Est-ce que vous le croyez? Recevez selon le désir de votre cœur. Que le Dieu de votre prophète puisse vous bénir ce soir, vous délivrer ce soir, vous guérir ce soir et recevez les guérisons miraculeuses. Dites amen. Les doigts amen. Que votre statut soit changé d'une personne malade à une personne guérie, d'une personne envoûtée à une personne délivrée, d'une personne manipulée à une personne libre. Que la puissance de la sorcellerie reconnaisse l'autorité de la parole maintenant. Que tous ceux qui sont envoûtés par l'autorité de la parole, j'ordonne à tous les esprits impurs de vous quitter au nom de Jésus. Je les menace, je les chasse, je les ordonne de vous libérer au nom de Jésus. Que tous les liens soient coupés, que tous les liens soient coupés, et que le Saint-Esprit vous touche là où vous êtes. Vous touche là où vous êtes. Vous touche là où vous êtes. Au nom de Jésus. Alléluia. Partout vous posez vos problèmes, je vous le donne. Tout ce que vous demanderez à mon nom, je vous le donne. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la consommation du siècle. Qui peut dire amen?
Vous serrez la tête et non la queue. Je vous donnerai la supériorité sur les nations. Je vous donnerai la supériorité sur toutes les nations qui existent sur la terre. Cette promesse ne concerne pas seulement Israël. Ça nous concerne aussi. Pendant que je prêche là, si vous croyez que c'est pour vous, alors soyez délivrés au nom de Jésus. Peu importe là où est caché ces démons, nous sommes en guerre contre eux. Parce que le grand astronaute divin, il est descendu le 28 février 63 et il a pris sa puissance, il a déversé dans l'église. Pasteur Mosengo, est-ce que Dieu peut m'exaucer ce soir? Pasteur Mosengo, est-ce que Dieu peut me pardonner à l'instant même? Pasteur Mosengo, est-ce que je peux voir encore la gloire de Dieu comme au jour passé? Je restaurerai, dit l'Éternel des armées. Je restaurerai, dit l'Éternel des armées. Je restaurerai, dit l'Éternel des armées. Je vais restaurer toutes les années qu'on dévorait les sauterelles. Pas une année, pas un jour, mais toutes les années. Croyez-vous que c'est votre saison? Frère Balaam nous dit. Frère Balaam dit, la parole fait l'effet sur celui qui a la révélation. Branham dit, c'est au moment que l'eau fut agitée que celui qui a vu le premier, qui est rentré le premier, est guéri. Je vous ai parlé d'un message intitulé qu'il devait passer par là. C'est quand Jésus passe pendant une réunion, que ceux qui comprennent qu'il est là puissent se saisir. Et je vous dis quelque chose, on peut le faire traîner maintenant pour qu'il ne soit pas pressé pour passer. Notre foi peut agir dans la salle. Notre foi peut agir dans la salle pour que le Seigneur ne passe pas. Mais c'est votre Dieu. Quand un homme arrive chez sa femme, même si l'homme est pressé de partir, la femme a le droit de le maîtriser. La femme a le droit de dire à cet homme, tu ne passes pas encore. J'ai encore besoin de toi. Je vais encore te regarder. Oh, que la chose se passe à l'instant même. Et vous verrez le spectacle qui se passait ici. Des guérisons miraculeuses. Il n'y a pas d'amen. Ce n'est pas le pasteur Mosengo qui guérit. C'est votre foi dans la parole. C'est votre confiance dans l'ange. Oh, dites amen. Que tous les liens, tous les hôtels, tout ce qu'on a fait en toi, tout ce qu'on a placé en toi, par la foi dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, je déterre ça. Je détruis. Je détruis toute la puissance maléfique. Et par les pouvoirs qui me sont donnés, comme Éphésiens 4, pour votre délivrance, je veux que quelque chose se passe dans ta vie. Là où il y a la mort, là où il y a la stérilité, que la vie rentre. Que la vie rentre. Vous le croyez? Vous serez marié ce soir dans la lignée royale. Maintenant même, l'union invisible est en train de s'établir entre la parole que je prêche et votre cœur. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Rien, personne ne peut vous vaincre. Et je le dis encore, personne ne vous vaincra.
Parce que la Bible dit, celui qui reçoit un prophète, en qualité de prophète, il aura la récompense du prophète. Plein évangile, alors que je n'étais rien, vous m'avez reçu, par vous, je m'ai élevé. Alors ce que vous m'aviez donné, je vous le rends au nom de Jésus. Je veux la délivrance totale de l'église. Je veux que cela se fasse. Oh pasteur, je sens que je suis devenu faible. Soyez fort. Oh pasteur, je n'arrive plus à prier comme ça doit. Que le Saint-Esprit vous touche là où vous êtes. Recevez tout ce que tu as perdu. Recevez tout ce que tu as perdu. La joie du salut, la délivrance, l'onction, la puissance, le Saint-Esprit. Recevez-le. Dites amen. Je vous enverrai Malachicat. Et lui, le prophète viendra pour rétablir toute chose. Rétablir toute chose. Rétablir toute chose. S'il va rétablir toute chose, ça signifie rien ne restera en suspense. Et Dieu a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux, et toutes choses vous sera donné de par-dessus. Et je crois que nous avons le royaume des cieux. Le Saint-Esprit au milieu du peuple. Le Saint-Esprit dans le cœur du peuple. Alors comme le Saint-Esprit est en vous, et vous croyez chaque promesse par la foi, rien ne peut vous nuire. Parce que mon sang, est-ce que j'ai pas arraché mon frère qui est loin? Je vous l'accorde. Est-ce que je peux ramener ma mère? Je peux ramener mon frère? Je vous l'accorde. Le Dieu d'Attiré était ici. Alors déclarez tout ce que vous voulez. Et le Saint-Esprit vous le donnera par la foi. Dites amen. Rien n'est impossible à l'homme. Parce qu'un homme qui reçoit la révélation de la parole, il devient tout puissant. Qu'une nouvelle pluie tombe sur nous. Et ce que nous désirons, que Dieu enlève notre propre. Et là où nous avions failli, que Dieu nous pardonne. Parce qu'on n'avait pas de sagesse. Si on avait la sagesse, on n'allait pas tomber. On n'allait pas faillir. On n'allait pas commettre les erreurs. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Et vous devez réclamer la sagesse à Dieu. Parce que celui qui a la sagesse, c'est un homme heureux. C'est quelqu'un qui ne faillira jamais. La sagesse est votre lumière. La sagesse est votre lampe qui vous éclaire. La sagesse est Dieu dans votre âme qui vous conduit. Un homme qui a la sagesse, même un sorcier ne peut pas le piéger. Parce que la sagesse dévoile les choses qui sont cachées. Oh, j'ai envie de prêcher. On peut dire amen à cela. Est-ce que l'église peut dire amen? Retenons un peu, merci Seigneur. Je me suis trop emporté. Mais reviens un peu. Je ne sais pas en quelle année on va finir ce sujet. Ça doit être accompagné par des bénédictions. On peut dire amen. Et nous vivrons notre Dieu à la fin de cet enseignement. Qui peut dire amen? Tous les dossiers restés en suspense, nous les retirons. Oh! Alléluia! Amen. Il y a une foi surnaturelle ici. Il y a une présence surnaturelle ici. Je ne peux pas m'en dépasser de lui.
Je ne peux pas m'en dépasser de lui. Je sens sa présence qui ne me quitte pas. Ce n'est pas pour moi, mais c'est pour vous. Cette présence-là, ce n'est pas pour moi. C'est pour toi. Dis amen. Le Dieu amen. Le Dieu de l'impossible. Le Dieu de l'impossible est ici pour rendre possible l'impossible. Pasteur, ça peut se faire. Ça peut se faire. Là où le docteur a échoué, Dieu peut faire quelque chose. Oui. Dieu ne peut pas faire quelque chose, mais Dieu a fait quelque chose. Il a déjà fait. La chose que vous attendez maintenant, ce sont les résultats de ce que Dieu a fait. Je me suis toujours dit, si Jacob, qui était un homme de chair, pouvait bénir ses enfants, et ses enfants étaient bénis selon ses paroles, parce qu'il était le père géniteur, qu'en est-il d'un père spirituel géniteur? Les pouvoirs génitaires spirituels sont plus excellents, plus élevés que les pouvoirs génitaires naturels. Alors moi, écoutez-moi bien, je ne vous bénis pas, mais je vous réclame tous pour la vie éternelle. Parce que toutes les bénédictions de la terre sont passagères. Parce que tu nous réclames, oui. Parce que vous avez dit, et je peux vous dire que je verrai chacun de vous de l'autre côté. Dites amen. Les deux amen. Et vous qui faites les aventures pour être rétrogrades, reviens vite. Sinon, tu vas nous précéder. Et je refuse qu'une brebis de cette église soit perdue. C'est lui qui ne veut pas comprendre, Dieu le scelle et il l'amène à la maison. C'est fort. Chers amis, voulez-vous l'être comme ça? Je répète, je ne veux pas, je refuse que l'un de vous soit perdu. Vous savez qu'attirer par la foi a créé le salut de ses enfants qui n'étaient pas dans le plan de la rédemption. Et la foi, c'est notre monde.